going to move. We're going to start with any English questions. If you have any, please raise your hand. If we don't have any, we'll just move straight into French. So anyone that wants the French translation, just make sure you've got your headset on channel 1. Okay, we'll go straight to French then. Beaucoup de joie, bien sûr, beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions aussi. Émouvant parce qu'on connaît le lieu, on est souvent venu ici. Et puis pour commencer aussi une pensée spéciale pour Bernard. Voilà. Antoine, est-ce qu'on a conscience d'écrire un peu l'histoire ce soir? C'est la plus large défaite à domicile de l'Angleterre de l'histoire. On a conscience de ça? Ouais, ben, vous me l'apprenez, donc non, je ne suis pas sûr qu'on réalise aujourd'hui, ce soir, de la chose qu'on a faite. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Quand on est de l'intérieur, c'est toujours plus dur de prendre du recul, de mesurer ça, même si on est conscient d'avoir réalisé une grande victoire. On sait combien c'est dur de gagner ici. Donc quand on voit le score, évidemment qu'on peut être très fier de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Antoine, quand un match commence comme ça, vous marquez tout de suite et vous sentez que tout va dans le bon sens. Comment on se sent sur le terrain? On se sent un peu invulnérable en quelque sorte? Ça nous arrive quand même régulièrement de faire des grosses entames, de prendre le score, de sentir ce feeling où on sent que tout marche, où on est dans l'avancée, on gagne les contacts, on obtient des pénalités. Tout semble simple, mais voilà, on sait que le rugby international, c'est hyper dur, que les équipes elles sont très fortes, autant physiquement que mentalement. Et très souvent, elles reviennent dans la partie, elles corrigent les petits défauts en direct. Donc c'est sur ça aussi qu'il faut qu'on travaille, mais bien sûr qu'il y a un sentiment hyper agréable quand on sent que tout ce qu'on a travaillé, tout fonctionne, qu'on arrive à être connecté, à bien se sentir, à être aligné dans la stratégie, dans le côté tactique aussi, la pluie qui est apparue au bout d'un quart d'heure de jeu, tout ça on a su bien le gérer et ça procure des émotions de maîtrise qui sont agréables sur le terrain évidemment. Fabien, forcément que c'est le match le plus abouti pour Mandanda. Ah, c'est difficile, à chaud comme ça, c'est le 34e match, c'est difficile de faire un... Mais en tout cas, ce qu'on avait décidé, c'est qu'on voulait sortir le match aujourd'hui, voilà. Pour plein de raisons, sur cette saison qu'on a commencé bien sûr international au mois de novembre, il nous fallait sortir, on avait envie de sortir un match aujourd'hui. Après, ce qui est intéressant par rapport à ta question, c'est... Les choix tactiques et les options qu'on a choisies par rapport à ce match. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir quand on voit que ça fonctionne et qu'on arrive à prendre le match et les mettre en grande difficulté parce qu'on a pris les bonnes options, parfois très simples, mais qui font changer énormément, ou qui posent beaucoup de questions d'un côté et qui donnent beaucoup de confiance de l'autre. Et la pluie, pourtant, c'est quelque chose qui aurait pu nous perturber, mais là aussi, on a réussi à s'adapter à ce que disait Antoine à la mi-temps. On se souvient qu'on s'est parfois fait remonter, challenger sur des scores comme ça, des écarts comme ça. Et je me souviens des All Blacks qui menaient largement à 10 minutes de la fin ici. Donc je pensais à ce match. Et les Anglais sont revenus ont marqué 17 points et sont revenus à égalité 25-25. Donc c'était ce qui nous guettait. Et là, c'est vrai qu'à la mi-temps, on a parlé beaucoup de ça et de l'adaptation stratégique à la pluie. Et là, on a réussi une fois de plus à reprendre le contrôle du match. Donc c'est parfait. C'est une journée parfaite à Twickenham. Et ça, c'est rare. C'est très rare. En tout cas, personnellement, je l'ai pas souvent vécu. Très bien compris, il s'avère que ça a fonctionné en deuxième mi-temps, ces choix-là. C'était quoi que vous avez observé par rapport à la défense anglaise? Non, dans les 30 mètres, rendu au pied, je dirais pas ça, je dirais dans l'alternance et dans la recherche de l'espace, perturber leur premier rideau et leur deuxième rideau pour les mettre en difficulté. Alors évidemment, parfois ils répondent présents, mais globalement sur l'alternance... bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, et tu as souligné ces deux ballons, mais quand je vois l'efficacité globale de nos choix, soit devant la défense, soit un jeu de chasse, Impossible d'imaginer que ça donne ce résultat aujourd'hui, dans le meilleur des cas. Dans la même... ouais, juste une pour Antoine, justement, depuis le début du tournoi, tu prenais beaucoup les sorties de camp à ton compte. Là, on a senti une volonté d'alterner un peu plus, d'offrir d'autres solutions, et ça t'a permis aussi de trouver des beaux jeux au pied, notamment un 50-22. Vous en aviez discuté entre vous ben, c'était de ce qu'on avait analysé, c'est qu'on avait très peu de variations dans nos sorties de camp, où c'était quasiment moi qui prenais la totalité des jeux au pied, donc c'était facile pour les équipes de le lire. Elles nous mettaient beaucoup de pression sur le ruck et sur moi derrière, donc voilà, on avait étudié plusieurs options, et comme disait Fabien, quand on ne fait pas deux fois la même chose, c'est plus dur pour les défenses de s'adapter, et nous on était dans ce qu'on avait travaillé, donc on a trouvé du confort là-dedans, et ça a fonctionné, et je pense que ça les a peut-être perturbé aussi, mais je pense qu'il faut qu'on soit capable d'avoir cette variation avec plusieurs, on a plusieurs joueurs capables de jouer au pied dans l'équipe, donc autant en profiter. Antoine, à la fin du match, on vous a vu sur l'écran géant au moment où la Marseillaise retentissait dans Twickenham. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, une Marseillaise à Twickenham? Et une question pour Fabien, qu'est-ce que représente cette victoire dans la construction de la Coupe du Monde? Mais comme on l'évoque depuis le début, c'est sûr que c'est très rare d'avoir déjà une victoire ici et en plus un résultat comme ça. Et voilà, je pense qu'il faut bien sûr être hyper fier de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais aussi pas avoir la mémoire courte. Quand on est venu il y a 4 ans ici, au bout de 30 minutes, on avait pris 30 points et on baissait tous la tête. Déjà à la mi-temps, on ne voulait même pas ressortir du vestiaire. Donc voilà, il faut se souvenir de ça. Rester humble, mais bien sûr profiter aujourd'hui, parce que quand ça marche pour nous, quand tout fonctionne comme aujourd'hui, il faut savoir en profiter et être fier de ce qu'on a réalisé. Oui, je rajouterais le partager. On sent qu'on partage, là. On partage bien sûr entre nous, mais on partage beaucoup avec tous les gens qui nous accompagnent, dans les très bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Donc on a envie de le partager avec eux, avec tous les amateurs du rugby français, avec tous les gens qui nous supportent. C'est le moment de partager, quoi, de leur donner ce sentiment collectif de succès. Nous, bien sûr, mais eux, avec eux. Voilà ce que je pourrais rajouter. C'est fait, nous l'avons fait. Voilà. À 6 mois de la Coupe du Monde, est-ce que, en quelque sorte, vous aviez besoin aussi d'un match comme ça? Disons qu'on est dans la compétition, nous. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on n'a pas encore lâché le trophée. Évidemment, dimanche, demain, on va regarder ce qui va se passer. Mais ce soir, on rentre à l'hôtel, on va boire une bière entre nous, et le trophée, on ne l'a pas lâché. Donc nous, l'objectif, c'est gagner la compétition. On a trébuché, on a beaucoup appris. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer demain. Et puis ensuite, bien sûr, dans notre construction, mais ce n'est pas le moment d'en parler, puisqu'on est en plein tour en destination. Il y aura la suite et la compétition prochaine. Il nous reste encore un match à Paris, qui est très important pour nous samedi. Et c'est vrai que la prochaine compétition, ça sera la Coupe du Monde, qui est visible, qu'on a en ligne de mire depuis 4 ans. Et évidemment, tout ce qu'on vit là, tous les matchs qu'on vit, toutes les atmosphères qu'on vit, positives ou négatives, elles nous servent bien sûr. Elles nous servent à nous préparer, à progresser. On est une jeune équipe encore, je répète, 26 ans et demi de moyenne d'âge. On est à peine à 25 sélections, 26 sélections. On peut encore monter le curseur à tous les niveaux. Fabien, la troisième ligne que tu as alignée aujourd'hui, c'était celle de ton début de mandat, que tu as reconstituée pour la première fois et on a survolé la rencontre. Oui, mais d'abord, ça me donne l'occasion de saluer Anthony. Parce que dans les moments comme ça, il faut penser aux copains qui étaient avec nous le week-end dernier et qui ont laissé leur corps sur la ligne. C'est le cas d'Anthony. Pour sauver un essai avec Antoine, il a laissé le genou. Donc déjà, saluer Anthony et peut-être lui dédier aussi la victoire. Voilà. J'ai pensé à Bernard, mais Anthony, je pense qu'on a tous une pensée très très forte pour lui. Et tous les copains qui ont pris des cartons rouges aussi, qui n'ont pas pu jouer. Mais une pensée pour Anthony. Et parler de la troisième ligne sans Anthony, ça serait pas cohérent. Donc cette troisième ligne-là, elle a été très très bonne aujourd'hui parce qu'Anthony a contribué à la construire aussi. Et c'est ce qu'on doit se préparer à ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va tomber parce que c'est un sport où on peut se blesser gravement. Et les premiers mots de François, lorsqu'il a été élu, entre nous, on l'a élu homme du match le week-end dernier, ils ont été pour Anthony. Donc cette troisième ligne, je pense qu'elle a... Elle a performé avec Anthony à ses côtés. ce qui est juste, hein. Ce qui est juste, c'est qu'on monte, hein, on monte physiquement, on monte collectivement. Le quatrième round, on est mieux qu'au premier, on est mieux qu'au second, on est mieux qu'au troisième, et on sent une cohérence, on sent une montée en puissance. Voilà, ça c'est sûr, à tous les niveaux, pas que physiquement. Et justement dans le jeu au sol aussi, on sent que vous avez trouvé peut-être l'équilibre qu'il fallait. Oui. Par rapport aux nouvelles directives arbitrales sur ce match. Oui, on a progressé, Ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'on progresse. Hein. On peut pas se reprocher, de faire des erreurs quand le cadre de jeu, quand l'arbitrage change. Par contre, on peut essayer de s'améliorer. Et c'est ce qu'on a fait au cours des 4 matchs. Ce qui est très bien, cette progression linéaire au cours de ces 4 matchs. Le poste derrière était au sein de la colonne vertébrale, un des rares qui était un petit peu mouvement depuis ton mandat. Est-ce que Thomas Rameau, ça paraît lié le débat là, je ne pourrais pas me permettre de dire ça dans la compétition dans laquelle nous sommes lancés. Quand je pense à tous les arrières qui ont porté le maillot, par respect pour Anthony, Boutier, pour Brice Dulin, pour Melvin, Thomas il est là depuis le début, il a eu l'opportunité, une blessure, il a pris le maillot au mois de novembre, et je pense qu'il trouve petit à petit sa place, il prend confiance, il règle des aspects de son jeu avec le niveau international. Et aujourd'hui, il a été bon, bien sûr, très bon. Notre équipe, elle fonctionne collectivement. Et donc il est bon parce que l'équipe fonctionne collectivement. Anthony, on parle beaucoup de records avec vous. Il y a eu l'année dernière, le record de victoire consécutive. Aujourd'hui, le record du succès à Twickenham, qu'est-ce que ça vous apporte dans la construction collective de laisser cette trace quand même dans l'histoire de la Ligue? Ça, je pense qu'on en discutera quand on aura arrêté, qu'on sera autour d'une bière et qu'on parlera de nos vieilles gloires. Mais aujourd'hui, honnêtement, on est vraiment dans notre truc, dans notre cheminement, dans notre projection vers ce qui arrive. Et voilà, c'est du travail quotidien. On vise vraiment les victoires chaque week-end, c'est ce qu'on dit, on joue tous les matchs pour les gagner, mais c'est ce qu'on fait et pas trop mal depuis quelques temps. Et les compétitions, c'est la même chose, donc évidemment, s'il y a des victoires significatives, des séries au milieu, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça valide le travail qui est effectué depuis des mois, des années maintenant, mais c'est qu'une étape de plus dans notre trajet où on ne s'arrêtera pas dessus en tout cas. Fabien, depuis que tu es joueur, que tu as découvert avec Twickenham, est-ce que dans tes rêves les plus fous, t'aurais pu imaginer un tel match, un tel scénario? Non, non, mais quand on vient à Twickenham, on rêve pas. Déjà, si un spectateur, moi je suis venu souvent à Twickenham, j'ai beaucoup aimé le déjeuner sur l'herbe, j'ai beaucoup écouté God Save the Queen, c'était à l'époque, ça a changé maintenant. Donc c'est vrai que ce que j'ai dit aux joueurs, ben, le match, c'est un lieu, dans notre, quand tu joues au rugby, que tu vas à Twickenham, tu te dis, ah ouais, ça donne du sens à ce que tu fais depuis l'enfance, dans les champs, dans les campagnes à jouer. Tu viens là, tu dis, waouh, il se passe quelque chose ici, il y a quelque chose. C'est vraiment un temple où il y a quelque chose d'assez mystique. J'ai dit aux joueurs avant le match, c'est que ce stade, il récompense la bravoure. Il récompense les équipes qui se livrent, collectivement. Ce stade, il récompense ça. Ce type d'équipe. Et aujourd'hui, on a été comme ça. On a été une équipe brave, engagée, déterminée, conquérante, et qui savait pourquoi elle était là. C'est des récompenses. C'est dur de sortir une individualité du collectif, justement, mais est-ce que tu peux dire un mot sur Thibaut Flamand? Je suis content pour lui. C'est sûr, c'est génial ce qu'il fait, Thibaut, son évolution depuis qu'il est avec nous. Je me souviens quand on a pris le mandat, on disait, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de ça. C'est vrai, on entendait. Bon, mais là, il semblerait que, d'abord, une pensée pour Bernard Leroux, bien sûr, qui était un 4 numéro chez nous, un 4 qui a tout donné, qui a tellement tout donné qu'il s'est garé sur le bord de la route pour le moment. Donc, une pensée pour Bernard. Une pensée pour Cameron aussi, qui est monté d'un cran et qui a performé et qui est blessé. Et puis, alors, Thibaut, bien sûr... Formidable, il est formidable. Mais il est formidable, le joueur est formidable, mais l'homme ils marchent ensemble, quoi. Et vous qui avez par exemple ces données physiques, bon, il fait tous les matchs sur 80 minutes sans faiblir. Est-ce qu'il y a des standards, je sais pas, au-dessus des normes pour son poste et son gabarit là-dessus? Il est aux normes internationales, ça c'est sûr, et il débute sa carrière. Donc on peut imaginer. Une formation de 10-15 aussi. Oui, dis-le. Il y a une formation d'ouvreur arrière aussi, donc ça lui donne des capacités aérobies. Il vient souvent jouer en position de 10 après, Antoine aussi. Mais maintenant on avait Cyril, maintenant il y a lui. Fabien, vous avez particulièrement explosé avec le staff sur le dernier essai, ça faisait longtemps que l'équipe de France n'avait pas marqué en première main. C'était la cerise sur le gâteau, ça pour vous? On aurait pu marquer plus tôt. Ça se joue à 2-3 décisions. La première main, c'est comme un pénalty. Hein. La première main, c'est... eux, c'est comme des gardiens de but et nous, c'est comme un pénalty. On a eu, je pense qu'on peut marquer 3 fois en première main. On le regardera ensemble tranquillement. Bon, 2 fois, on a touché la barre et la troisième, c'est rentré. Donc, je suis content pour les acteurs parce que c'était génial de livrer ça sous la pluie. Ben, je ne vais pas en rajouter, mais on représente la France. Et donc, cette équipe de France, c'est la France dans son ensemble, avec toutes des origines différentes, des cultures différentes, des enfances différentes, des vies différentes, qui se rassemblent pour représenter la France avec fierté, tout simplement. Vous pensez que ça peut aider à rassembler encore plus de monde? En tout cas, ceux qui veulent nous suivre... On sera très heureux qu'ils nous accompagnent dans le projet. Et justement, à la fin du match, vous, vos coéquipiers, vous êtes restés longtemps sur la pelouse. Les supporters anglais sont partis avant la fin du match, une partie des supporters, et les supporters français sont restés, évidemment. C'est important pour vous, évidemment, de communier avec ces publics. Oui, très important. Fabien l'a bien souligné tout à l'heure. C'est vrai que j'en ai pas assez parlé, je pense, mais de sentir même qu'on est à Twickenham, on sait qu'on est à l'extérieur, mais de sentir... Cette Marseillaise qui est vibrante déjà au début du match, le public qui s'extasie sur le moindre essai, vraiment ça nous porte, même à l'extérieur où on est dans l'adversité, on sent vraiment que le public est avec nous et depuis plusieurs saisons maintenant, on sent que même à l'extérieur ils viennent nous voir et nous supporter et c'est hyper important pour nous, ça nous donne vraiment de l'énergie sur le terrain et on essaye de leur rendre déjà sur le terrain par le jeu et après de pouvoir partager un petit moment avec eux, c'est important aussi. On a vu, comme vous disiez, beaucoup sont restés et on continue à faire du bruit pendant tout le tour d'honneur. Donc on en a profité. C'est aussi autant pour nous que pour eux qu'on le fait. Antoine, une question sur l'équipe d'Angleterre. On les savait en difficulté, mais est-ce que même sur le terrain, vous avez été surpris par leur fébrilité et leur difficulté dans le jeu? C'est toujours compliqué quand on est une équipe qui est dans le doute. Il y a des actions qu'on aurait pu réussir, qu'on ne réussit pas. Il y a des fautes de main qu'on fait qui sont inhabituelles. Et puis aujourd'hui, on sentait quand même qu'on avait tout qui nous réussissait. Les rebonds, voilà, on a eu quand même de la réussite aussi, même si on l'a provoqué. Et plus le match avançait, plus ils étaient dans le doute. Et après, c'est toujours compliqué de se relever. Et c'était important aussi pour nous de maintenir ce cap et ce niveau d'intensité et de rigueur sur tout le match. Ça a pu nous faire défaut par le passé. Mais aujourd'hui, à part cet essai qu'on prend, à part ces 5 minutes peut-être... sans le ballon un peu dans notre camp, mais à part cette période-là, on a vraiment été consistant sur tout le match. Et voilà, quand on sent qu'une équipe est en confiance en face de nous, c'est toujours plus compliqué de relever la tête. Quand on vient depuis le début de votre mandat, vous nous parlez de flèches de temps, de cocher des cases. Est-ce que vous aviez l'objectif de gagner dans tous les stades du tournoi destination à l'extérieur? Et est-ce que ça tombe à point nommé dans votre planning vers la Coupe du Monde? Oui, on avait l'objectif de jouer tous les matchs pour les gagner. Et on a toujours l'objectif de jouer tous les matchs pour les gagner. On ne les a pas tous gagnés. Chaque défaite nous a beaucoup appris, beaucoup apporté. Mais la qualité de cette équipe, je vous l'ai dit quand j'ai annoncé la composition jeudi, c'est qu'on est opiniâtre. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas. Et la flèche du temps, quand vous venez dans notre salle à Marcoussi de travail, aujourd'hui elle prend du sens parce qu'on peut se retourner, on peut regarder. Dans le sport de haut niveau, souvent, c'est le présent immédiat, le présent, et parfois le futur. Le passé, il faut en avoir conscience et ça permet d'avoir des repères, des marques de comment on jouait, qu'est-ce qu'on a fait. Et donc, chaque fois qu'on rentre pour travailler ou pour échanger dans cette pièce, on voit bien les chemins parcourus depuis 4 ans, qui est résumé par chaque match. Et ça nous laisse un héritage, une trace, juste pour nous éclairer sur la suite, pour mieux nous éclairer sur la suite. Fabien, tu vous rappelles depuis l'Irlande que vous ne lâchez pas le trophée. Dans quelle mesure tu crois à une victoire de l'Écosse demain sur l'Irlande? Ce tournoi, il est tellement incroyable, il est tellement difficile, avec les bonus, avec le goal average. Déjà, dire que prétendre venir gagner ici en prenant le bonus offensif et en construisant ce goal average, c'est quelque chose. Déjà, prenons déjà, aujourd'hui on a 15 points, plus le goal average qui a gonflé, qu'on a fait gonfler. Demain, tout peut arriver. Demain, tout peut arriver. Comme je vous ai dit la semaine dernière, il me semble que l'équipe d'Écosse est une très très bonne équipe d'Écosse. Maintenant, les Irlandais sont numéro 1 mondial et il leur appartient à eux de continuer sur la lancée et d'aller chercher le trophée ou être en position d'aller chercher le trophée ou de se préparer le match à domicile. Parce que de demain, même s'ils font ce qu'il faut, le tournoi n'est pas gagné encore. Et nous, on va se battre jusqu'à la fin pour le gagner. Donc ça, on verra bien. À la fin, on fera les comptes. On a fait second sur le premier tournoi au goal average. On a fait second sur le deuxième tournoi à courir après un bonus offensif sur le dernier match. On a fait le grand chelem. Et là, on est en position toujours de garder le trophée. Donc on fera les comptes à la dernière journée. Et ça, c'était important. C'était très important de jouer le dernier match pour le gagner. C'était très important de rentrer au Stade de France, au milieu de notre public, en se disant qu'on peut gagner le tournoi encore. Malgré notre défaite en Irlande, nous sommes là. Je suis d'accord avec vous. Vous avez bien résumé son. Il fixe les défenseurs, il libère les espaces. Et en défense, il plaque quelques joueurs et il gratte quelques ballons. Ça fait du bien. Il était chaud, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit jeudi. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. Je suis chaud. Ben, il a répondu. On marche. Ça, c'est bien aussi. La confiance. On a une confiance mutuelle entre nous qui nous aide beaucoup à avancer.